L'hype est total les amis, je lance une game dans le nouveau mode de jeu Chasseur d'étoiles de Brawl Stars avec le nouveau brawler légendaire Emery. Tired. Have to do stuff for the win. On everyone. Et wouhou! Bonjour à vous les chasseurs de faisans, les petits faisans, les gros faisans, les gros faisans dégueulasses et les déglingueurs de store de Brawl Stars. Aujourd'hui une vidéo exceptionnelle sur le nouveau mode de jeu Chasseur d'étoiles de Brawl Stars, ce mode solo. Les amis, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Deux lives énormissimes arrivent. Un live pack opening où je vais maxer le nouveau brawler légendaire Emery et un autre live où je vais vous l'offrir. Déglinguez-moi les pouces bleus, je veux 2000 pouces bleus les potos pour cette vidéo exclusive de ce mode Chasseur d'étoiles. Donc le but du jeu c'est quoi? Il faut récupérer les étoiles en éliminant vos adversaires. À chaque ennemi vaincu, la prime sur votre tête monte d'une étoile jusqu'à 7 étoiles et le joueur ayant gagné le plus d'étoiles au cours de cette partie, à la fin remporte la victoire finale. C'est juste comme ça. Il y a 7 maps de disponibles les potos, 7 maps, vous les reconnaissez, hein. C'est des maps de Showdown tout simplement, hein. Ce mode de jeu, je vous le dis les amis, il est fantastique, je suis hypé de ouf. Mais elle sort quand la mise à jour? Elle va sortir quand la mise à jour? Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous êtes impatient? Ce mode là va devenir un de mes modes préférés. Il est juste fantastique. Brawl Stars, l'équipe de Brawl Stars a eu l'idée fantastique, les amis. Vous découvrez toutes les maps hein, pendant que je suis en train de vous parler. Brawl Stars a eu l'idée fantastique, les amis, de créer un mode solo qui est viable, qui est juste génialissime. Je l'adore déjà, je suis hypé de ouf. Oh mon Dieu, merci. Merci, Dieu du Supercell. Merci, Brawl Stars. Oh, je suis tellement impatient que la mise à jour arrive et qu'on puisse enfin jouer ce mode. Vous allez voir, il est énormissime et ça sort directement avec cette map que vous connaissez. On les connaît toutes, c'est des maps de survivants solo ou survivants duo. On va aller tout de suite en game, les amis. Regardez-moi mon petit Emery, le nouveau brawler légendaire, il est bouillant, il veut aller déglinguer la map. Allez, on est parti. Bon, on a spawn tout en bas à gauche, c'est pas le meilleur des spawns. Et regardez ça, le réflexe du survivant du haut, solo. J'allais chercher les caisses, mais les amis, il n'y a pas de caisse dans ce mode. Il n'y a pas de caisse de, il y a pas de caisse de pouvoir dans ce mode. Allez, oh, le Poco, il a été piqué l'étoile centrale, vous avez vu? Putain, ça commence mal, hein. Je commence très très mal la game. Allez, si je fais un petit top 4 dans cette game-là, je serai content. Je vais essayer de finir le bar tabac. Raté. Attention, parce que ce qui est énormissime, c'est que vous êtes en full rush dans ce mode. C'est le seul mode où vous devez aller attaquer. C'est pas du tout comme le prime habituel en 3v3 où c'est un jeu de contrôle. Vous contrôlez vos sides, votre mid et petit à petit vous clignotez les PV des adversaires et vous faites un kill. Non, là, parce que là, on est 10 sur la map. Donc ça poutre dans tous les sens et si vous voulez pas finir 5ème ou 6ème, et ben vous devez être celui qui agresse le plus. C'est un mode extraordinaire puisque c'est la première fois qu'on a un mode hyper agressif dans Brawl Stars, et alors ça c'est fantastique. Les potos, pour ce mode, déglinguez-moi les pouces bleus, j'en veux 2000. Là, tout de suite, maintenant, pétez-moi les pouces bleus. Oh, je suis hypé, les amis, je suis hypé. Je vous le dis, c'est la première fois. Là, le mec qui va se planquer dans un bush, le gros faisant dégueulasse qui va se planquer dans un bush là, ou qui va aller se faire pique-nique dans un bush et s'installer tranquille, mettre la petite couette et tout, et installer son repas, il est foutu les potos, hein, parce qu'il va faire 0 étoile. C'est énorme. Ce mode est fabuleux. Je vous dis, je suis hype de ouf. Je suis à 999 de hype, mais ma hype, je l'ai pas mis les 1000, j'ai pas mis les 10 000, mais je vous garantis que ce mode, plus j'y joue, plus je me régale, il est fantastique. Il va nous permettre de jouer comme ça plein de petits brawlers au calme, tranquille. Vous lancez une game, vous appuyez. Je pense pas que ça va teamer, j'espère que ça va pas teamer. Je vois pas pourquoi ça teamerait. Je vois pas deux mecs spinner, tourner en rond pour aller buter un autre. Non, c'est un mode full agressif, il faut de l'étoile, t'as pas le temps. T'as même pas le temps de spinner dans la game. Tu dois foncer sur tes adversaires. Et finir des kills, ça va être du vol de kills. Ce mode de jeu va être aussi hyper pointu sur le vol de kills. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment, il vaut mieux garder vos tirs, laisser un peu les deux autres adversaires se tirer dessus, et t'arrives comme un gros voleur dégueulasse et tu finis les kills. En fait, il faut finir les mecs qui sont en train de s'entretuer. Allez, on relance une game, on change de map, et je pars avec Léon, les potos, Léon Squail, Léon Requin. Oh, je tombe contre un petit Léon, mais t'as pas acheté le skin ou quoi, le boat? Mais qu'est-ce que c'est de ce boat? Allô? Non, mais allô, quoi? Tu joues à Brawl Stars et t'as pas déglingué le store? Allez, mon Léon Squail, déglingue-moi-le! On va se... Non, allez, je vais laisser tomber, là, il m'agresse un peu trop. Putain, il a son ult. Allez, un dernier petit tir au cas où, comme ça, vite fait. Et après, je me barre.
il faut aller chercher des étoiles. Vous vous rendez compte le temps que j'ai perdu là? Pendant ce temps, vous avez tous les autres joueurs qui sont en train de se faire des kills, qui gagnent des étoiles, et vous êtes à la rue. Attention hein, les amis, ça part très très vite. Hein. Allez, on va aller choper lui. Oh là là, lui je l'agresse. Allez hop, un petit kill, et ça me fait déjà 2 étoiles. On continue les amis. Oh le gros Franck dégueulasse, il faut que je finisse, il a de l'étoile. Allez hop, je passe à 7 étoiles les amis. Est-ce que vous vous rendez compte comme ce jeu est énorme, ce mode de jeu est énormissime? Regardez-le lui, allez ping. Oh mon dieu, je suis déjà à 10 points les potos, je suis à 10 points. J'ai 10 étoiles. Et j'en ai 5 au-dessus de la tête, hein. Donc je commence à valoir cher, il faut pas que je me fasse kill maintenant. Hein. Sinon je vais donner un trop gros avantage. Oh mon dieu, il y avait plein de kills à faire. Oh non, j'ai raté tous les kills. Oh non, non, oui, ouf, je passe à 13 étoiles. 13 étoiles sur la game, les potos, encouragez-moi. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce mode en commentaire. Est-ce que vous êtes hypé comme moi? Moi, je le trouve fabuleux. Franchement, pouvoir lancer une game sans se prendre la tête, sans jouer avec des randoms, en solo, vite fait comme ça, en mode Clash Royale, les potos, hein. C'est du régal, on va enfin pouvoir faire ça sur Brawl Stars. Et je sens que ça va être trop fun, quoi. Trop fun parce que il faudra être hyper agressif. Je vous dis, fini les gros bulles dégueulasses planquées dans un bush ou les Shelly dégueulasses qui font rien de la game et qui attendent que ça passe. Et quand ça passe, clac, elle ferme la bouche et elle vous dévore. Oh putain, j'ai les 7 étoiles sur la tête. Je vais me faire buter, mais non. Allez, c'est pas grave, j'ai quand même 15 étoiles, j'ai gagné 15 étoiles. Malheureusement, il reste 3 secondes dans cette game, donc le temps que je respawn, je pourrais pas les refaire de kill. Combien je vais finir? C'est le seul petit truc qui manque pour... Je suis premier. Ouf! Vous pouvez déglinguer les GG, les potos. Et dites-le moi en commentaire. Elle était énorme ou pas ma game avec Léon Requin? Et regardez, soucoupe volante, la map soucoupe volante. On va jouer à du prime, à 10 joueurs, en solo, sur la map soucoupe volante. Allô? Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans Brawl Stars? C'est oufissime, je surkiffe. J'ai sorti mon jean, vous savez que j'adore, hein. Et je trouve qu'en survivant solo, Jean, il est assez fort parce qu'avec son nouveau pouvoir star, il est très très puissant. Hein. Je garde mon grab et tout, et putain, ça va pas m'approcher aussi facilement. Aïe, le Brock, aïe. C'est bon, j'ai réussi à me planquer, je fais attention. Il faut faire attention parce que ça respawn H24. Hein. À chaque fois que vous mourrez, en fait, dans ce mode chasseur d'étoiles, eh ben, vous repartez sur un spawn de départ de façon aléatoire. Et donc vous avez offert vos étoiles, vous repartez à zéro avec votre nombre d'étoiles sur la tête, c'est comme le Prime en solo. Cette idée est une idée de génie, ce mode. Il est fantastique. Enfin, on va pouvoir jouer. Vous savez, moi je joue encore beaucoup à Clash Royale parce que quand j'ai un tout petit peu de temps et que j'ai pas le temps de m'organiser pour partir en team de 3, eh ben je lance une partie de Clash Royale parce que c'est easy. Eh ben là, je vais partir en chasseur d'étoiles et je vais aller chasser les étoiles et je vais aller poutrer les gros faisans dégueulasses parce que là, il va falloir agresser. Là, c'est un mode pour ceux qui agressent, hein. T'es pas agressif, t'agresses pas, tu vas pas poutrer l'adversaire, t'as pas d'étoiles, mon poteau, hein. Et hop, tu perds tes étoiles. Je suis impatient de connaître le système, on connaît pas encore le nombre d'étoiles, le nombre de trophées, pardon, qu'on gagnera. Oh là là, il m'a eu le Dynamite, il m'a cassé les pieds. C'est pas grave, les potos, j'ai déjà 3 étoiles. Je suis sûr que je vais finir dans le top 4 ou le top 5. Oh, je respawn complètement à l'opposé. Ça, c'est énormissime aussi. Vous retrouvez dans un endroit, vous savez pas, vous avez aucune maîtrise, vous savez pas qui vient de mourir, qui. Oh, le petit, lui, il est pour moi. Oh, vengeance, hein. Tu m'as poutré tout à l'heure, je suis sûr que c'est lui. Allez hop, au respawn, le bot 7. Avec ton petit Dynamite. J'ai encore 15 étoiles. À mon avis, c'est le top 3 assuré, je pense, avec 15 étoiles. On va voir ça. Mais je suis tellement impatient que ce mode de jeu soit déployé. Dites-moi en commentaire, encore une fois. Mettez-moi une note sur 10 sur ce mode de jeu. Moi, je lui mets 11. Les amis, je lui mets 11. Oui, je suis un dingue. Les amis, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Des vidéos sur Brawl Stars, je vais vous en faire un paquet. Des lives monstrueux de pack opening, de giveaway. Ça va être la folie pure, les potos. Et déglinguez-moi les pouces bleus. Je veux 2000 pouces bleus pour cette vidéo, pour ce mode chasseur d'étoiles qui est juste oufissime. Les amis, la bise à tous. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifs. Posez votre plus beau pouce bleu.